Ah. On déclenche les hostilités. On déclenche les hostilités. Bam, 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 bam. On déclenche les hostilités. C'est de ça qu'il s'agit. Eh, jamais, quand même. J'ai commencé tard parce que j'étais d'abord dans le live de Renker. Donc, j'ai commencé tard parce que j'étais d'abord dans le live de Renker pour écouter Makosso. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. On part, on charge. Eric, on charge. Ce n'est pas, on a dit que non. Il faut d'abord qu'il écoute d'abord Makosso. Il faut d'abord qu'il écoute Makosso. Faut d'abord qu'il écoute d'abord Makosso, bien même. C'est-à-dire que je l'ai écouté, nous, on ne tourne pas autour du pot, on frappe, c'est qu'on passe. On a eu le bal des sorciers. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Un mal nécessaire. Un mal nécessaire. On arrive, on partage. On arrive, on partage, on reçoit. On arrive, on partage. Nous, on n'est pas dans les histoires de que. Nous, c'est bam! Direct. Vous avez vu ce que vous disiez tout à l'heure, non? L'histoire continue. L'histoire continue, pourquoi? Parce que je vois que mes vidéos sont de plus en plus violentes. C'est-à-dire que les gars restent comme ça, ils disent que mais. Ah, mais arrête d'être vrai. On est tout dans. Affaire de Bobli. On est toujours là-dedans. On partage, on se connecte, on partage. Non, on se connecte. Non, on se connecte, on partage. On se connecte, on partage. Nous, on n'est pas dans le rassemblement, genre, pour plaire. Nous, c'est la vérité, rien que la vérité. La vérité, rien que la vérité. Maman, nous, on n'est pas là pour. Si vous êtes dans les forums d'agglomération pour vouloir prouver que non. Nous, on a la source sûre. Nous, on a la source sûre. Nous, on n'est pas dans les histoires de que. Les victimes de Bobli. Attends, je vois encore l'autre. Les victimes de Bobli se rassemblent pour proclamer sa mort. Makosso, tu étais chez Renker. Tu étais prouvé quoi là-bas? Là-bas, tu n'as pas. Tu n'as encore rien vu. On partage, on partage, on frappe sec. On se connecte, on partage, 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 on se connecte, on partage. La machine de guerre, amen, amen. C'est la machine de guerre. J'étais dans le live tout à l'heure, j'ai écouté. J'étais dans le live de Renker. J'ai écouté Makosso, je l'ai écouté. J'ai écouté. Mais c'est l'hypocrisie que moi, il n'aime pas. Eric, c'est l'hypocrisie de Makosso que moi-même, quand même, il n'aime pas. Il faut qu'on se dise nos vérités. Il faut qu'on se dise nos vérités. C'est l'hypocrisie que les victimes de Bobli font là que moi-même, quand même, il n'aime pas. C'est de ça qui. C'est-à-dire que. Oh, je vous dis, ce n'est pas pour nous. Non. J'irai partager d'abord. Partager d'abord parce que je fais du sport là, je sors de la salle de sport donc. Je sors de la salle de sport donc du coup. Non. Toute la semaine, si c'est Bobli. Toute la semaine. Toute la semaine.
Toute la semaine. Amen, Kamer. Amen, Kamer. L'homme qui fait peur aux influenceurs qui vous font peur. Oui. Quand j'allume mon live, tous les influenceurs arrivent en faux profit. C'est normal. C'est normal. Tous les influenceurs arrivent en faux profit. Bon. On va lancer les hostilités. On commence d'abord partager. On a le nombre. Attends, l'autre téléphone. On a le nombre de partages. Si vous aimez ce qu'Amer Kamer fait, bombardez les partages. Si vous n'aimez pas ce qu'Amer Kamer fait, déconnectez-vous tout simplement. Si vous aimez ce qu'Amer Kamer fait, partagez le live. Si vous n'aimez pas, déconnectez-vous complètement. Déconnectez-vous. L'hypocrisie de Makoso. L'hypocrisie des blogueurs ivoiriens et des blogueurs ivoiriens. L'hypocrisie caractérisée de Makoso. Non, général. Je suis sur toi. Général, je suis sur toi. Tiens, mon gars, mais je suis sur toi. On partage, on partage, on partage, on partage. Et vous connaissez, vous partagez. Vous envoyez ça à Yaoundé, à Douala, à Abidjan, à Yamoussoukro, à N'Djamena, à Lomé, à Johannesburg. Vous envoyez ça partout. Et tant que je contrôle le nombre de partages, il faut qu'on partage vite aujourd'hui. Vous avez vu la force d'un live, c'est le nombre de partages. Voilà, la force d'un live, c'est le nombre de partages. Voilà, on a combien de partages? On est déjà 477, on a combien de partages? On a 16 partages. Donc on partage, c'est-à-dire on se met. Franck Junior, tu me dis que le général a 7000 personnes. Le général a 7000 personnes. Moi, je suis à 400 personnes. Ne confondons pas. Si toi tu es là pour écrire ça, ça veut dire tout simplement que Amer Kamer est puissant. Makoso avait 3 millions de followers. Bob, il n'avait même pas 50 000. Mais la manière qu'il frappait sur Makoso. Non, on n'est pas là. C'est-à-dire que quand tu regardes l'OTAN, vous êtes l'OTAN, vous êtes la Russie. Vous êtes l'OTAN. Amer Kamer, c'est la Russie. Vous avez compris? Voilà. On le prend, on partage, on lance des partages. Ne soyez pas économes dans les partages. Si les petits jaloux là ne veulent pas partager, ceux qui aiment ce qu'Amer Kamer fait, là on a 15 partages, on a plus de 500. Je sais que les vidéos. Bon, je vais vous faire la télécoute des vidéos qu'on a fait aujourd'hui. Attends, je vais revenir sur les vidéos qu'on a fait aujourd'hui. Non, je sais que les gars, ça dit que non, Amer, non. C'est-à-dire que, attendez, ça c'est la vidéo qui m'a fait rire. Général, j'adore la vidéo aussi. On partage. Dans ta voyance, voyantale, comme tu dis que tu vois. Tu as nous dit ici, Bob est mort aussi, il n'est pas mort. Voilà, c'est-à-dire que on va revenir là-dessus. Donc, on lance les partages. Donc, on continue. On est à 15 partages tout le temps. Donc, on lance les partages. On est 500. Normalement, on devait être à 5000 partages. Si on est 500, chacun fait 10 partages. C'est-à-dire que ne soyez pas jaloux. C'est-à-dire quand tu regardes Amer Kamer, tu dis que non, le gars, si. Non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Renke est une victime de Bob Lee. Marcus est une victime de Bob Lee. Donc, c'est-à-dire que tous les victimes de Bob Lee se rassemblent. Dans l'hypocrisie hypocrisicale. Menée par le leader de l'hypocrisie, le général de l'hypocrisie, général Kamer Makoso, général de l'hypocrisie. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Dans mon nom, soyez pas pressés. Non, Amer Kamer, je préfère lancer mon live en même temps. J'aime ma communauté. Amer Kamer a sa communauté. Oui, ils ont leur communauté. C'est-à-dire que, et vous avez dit que moi, c'est la Russie. L'OTAN a les bases partout dans le monde entier. La Russie n'a pas les bases.
Même je cherche à la reçue, je trouve pas que je supporte. Donc on regarde le nombre de partages, les gars, on partage comme ça. Non, Fleur Delisle n'est pas hypocrite, je suis désolé pour vous, Fleur Delisle est tout sauf hypocrite. Non, là je vous l'accorde pas. Ah quand même, non. Faut pas qu'on, non. Quand je connais là le personnage. Je connais le personnage. Donc, voilà. Donc, on partage. On a combien de partage, les gars. Ne me mettez pas la honte sur le corps. Faut partager. Ça ne vous coûte rien. Ça ne vous coûte rien de partager. Aujourd'hui, vous allez intervenir. Là, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, vous allez intervenir. Donc, partagez au maximum. Non, je sais que le général Ansoumsoum. Je sais que le général Ansoumsoum avait son autre profil. Attends, je vais ce volume. Voilà. Attendez, on a combien de pattes? Regardez, gars, il y a un truc que moi je ne comprends pas sur vous. C'est-à-dire que remettez-vous en question. Est-ce qu'on doit partager? Vous ne pouvez pas être 500. Vous ne pouvez pas être 500 et ne pas partager. La force d'un nombre, la force du live, ce n'est pas le nombre de vues. La force d'un live se retrouve au nombre de partages. Je préfère avoir 10 personnes en ligne et avoir 500 partages que d'avoir 500 personnes en ligne et avoir 10 partages. C'est très important. C'est très, très important. Voilà pourquoi je vous demande de partager. Voilà pourquoi je demande à ma communauté, la communauté Kamelan, de partager. Parce que nous, là, nous tapons sec. Sèquement sec. Oui. Non, tape sec. Voilà. Donc, tu prends ton courage, tu te dis que non, c'est quand même le terrible amer Kamé. Il faut qu'on partage. Oui. Donc, bon, j'irai vous lancer. À chacun son point de vue. J'ai donné mon point de vue. Bon, maintenant, à vous de donner le vôtre. Donc, on commence, on lance les partages. Ivoirien partagé, Sénégalais partagé, Tchadien partagé. Un partage au maximum. On est déjà 528. On ne peut pas être 528 et vous ne voulez pas partager. Normalement, si chacun fait 10 partages, normalement, c'est bon. 10 partages, normalement, c'est bon. Kamé, j'aimerais entrer en contact avec toi. C'est très important. Il n'y a pas de souci. Bon, je vais épingler mon numéro WhatsApp. Voilà. Je vais épingler mon numéro WhatsApp. Voilà. 00 200 237 658 576 110. Voilà. Donc, je vais épingler ça. Voilà mon numéro que j'aime là. Si tu veux entrer en contact, le numéro il est là. Donc, continuons, partage les gars. On se met. Tu me demandes le numéro de téléphone. Est-ce que tu as partagé? Quand tu me demandes mon numéro de téléphone, est-ce que tu as partagé? C'est la question. Demande-moi le numéro de téléphone quand tu partages. On ne peut pas. Regardez la combien de partages déjà. Regarde le nombre de partages. Je regarde le nombre de partages. On a 49 partages. On est à. Attends, j'allume aussi cette chose. On allume, non, partagez toujours. Vous avez fait regarder, on a combien d'heures de live? On est déjà à, on est à 13 minutes, mais vous n'avez même pas encore fait les 500 partages. On a 13 minutes, vous n'avez même pas encore fait les 500 partages. Et pourtant que vous êtes 500, vous n'avez pas encore fait les 500 partages. Donc, bombardez les partages. Voilà. On va franco. On a 95 partages. Donc, on partage. On a 95 partages. On bombarde les partages. Donc, nous, on est ce qu'on appelle
Nous sommes les influenceurs qui font peur aux influenceurs. C'est-à-dire que c'est parce qu'on n'a pas d'écurie, on n'a pas d'équipe. On marche une place. Tout comme Bob Lee. La femme de Bob Lee vient parler. En tant que qui? En tant que qui? Elle aime le buzz. Elle va se mettre aussi pour parler du buzz. Elle veut buzzer quoi? Elle veut buzzer quoi? Elle va dire quoi qui est vrai? Est-ce qu'elle était reconnue? Non. Donc, sa parole, c'est zéro. Zéro. Oui. Sa parole, c'est zéro. Même comme c'est ma soeur camerounaise, sa parole, c'est zéro dans zéro. Elle a quoi? Elle a quoi? Déjà de son vivant. Il y avait une rumeur qui courait que Bob Lee, au départ, n'avait pas reconnu le dernier parce qu'il se souvenait que ce n'est pas lui. Ça veut dire d'abord que la femme d'avoir des crises d'infidélité. On parle de quoi? On parle de quoi? On voit le général là. Le général est là. Parce que la mort de Bob Lee, il est content. Mais le général ne pense pas que comme Bob Lee est mort là. D'après vous dit, vous allez laisser en paix. Non. Ce que sa femme dit là, on dégage ça. On dégage ça. Vous pensez que quoi? On regarde le nombre de partages, on regarde le nombre de partages, on avance, on partage, on a combien de partages? On a 95 partages. On avance, on partage, on avance, on partage, on a 95 partages. Les partages doivent aller de plus. Salut Suisse Comédie! N'oubliez pas d'acheter les produits de Suisse Comédie. Voilà, elle est épinglée. La Suisse Comédie, elle vend des produits de beauté. Des produits de beauté. Ils sont en train d'appeler ça. Oui, des produits de beauté. Donc, on a combien de partages? Dites-moi, on a combien de partages déjà? On a combien de partages, s'il vous plaît? Je vérifie encore le nombre de partages. Il nous faut, on commence à partir de 500 partages. Là, on est à 100 partages. Vous-même, nous sommes 700. Nous sommes 700. Mais on n'a que 100 partages. On n'a que 100 partages. Voilà pourquoi l'Afrique est pauvre. Voilà pourquoi l'Afrique ne peut pas évoluer. Parce que pendant que les autres partagent, les autres sont là pour les cadres. Après, vous vous étonnez que les Français sont chez nous à nous bombarder de nous ce qu'ils veulent. C'est parce que vous n'êtes pas collectif. Vous regardez tous la même chose. Certains partagent, certains ne partagent pas. C'est le même comportement que vous avez face aux Blancs. Voilà pourquoi les Blancs vous marchent dessus matin, midi, soir. Vous allez parler de quoi? Le même comportement. C'est-à-dire que le même complexe d'infériorité que vous avez face aux Blancs, c'est ce que vous avez ici. Vous arrivez, vous ne partagez pas parce que ça va quand même. Tu ne partages pas parce que ce que Amer Kamer dit ne t'intéresse pas. Mais je ne comprends pas pourquoi tu n'aimes pas Amer Kamer, mais tu viens dans les lives d'Amer Kamer. C'est vous qui n'aimez pas Amer Kamer, mais c'est vous qui venez dans ces lives. Quand vous venez dans les lives, au moins le respect du live, c'est que vous partagez. Tu ne peux pas aimer un artiste aller à son concert. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas aimer un artiste et ne détester un artiste et aller à son concert. Tu ne peux pas. C'est que tu es mazo. C'est que tu es mazo. Comme on dit souvent que Mazo de chez Mazo. C'est ça la vérité. Donc, on lance le partage. On a dit, on commence à 500 partages. On met la puissance dans les partages. On bombarde avec les partages. Parce que nul, il dit que nul ne restera. On va vous traiter comme il se doit. On va vous traiter comme il se doit. Le bas de l'hypocrisie là, nous on n'est pas dans ça. Le bas de l'hypocrisie des victimes de Bob Lee là. Nous, on n'est pas dans ça. Nous, on n'est pas dans ça. On a vu Makoso aller sur Renker, sur Flore de Lille, commencer à faire Jeannot. Toi, Makoso, tu ne dis pas ici partout que tu fais les visions. Tu ne dis pas ici partout que tu as les dons de vision. Quel don de vision? Quel don de vision? Faut laisser ça. Faut laisser ça. Vous êtes content. Parce que Bob Lee est dans un moment de douleur. Vous êtes content. Arrêtez de faire comme si vous l'aimez trop. Vous l'aimez dans quoi? Vous l'aimez dans quoi? Il vous a mis vous tous au travail. Bob Lee était le premier des rares à s'opposer à Makoso. Matin, midi, soir. Bob Lee a dit que Makoso c'était un faux pasteur. Et c'était la vérité. Il a toujours soigné. Makoso a fait quelle vision on a vue? Dites-moi quelqu'un. Que ce soit tous les influenceuses ivoiriennes là. Il dit toutes les influenceuses ivoiriennes là. Bob les a mis tous au pas. Tous. Elle ne faisait plus live n'importe comment. Bob lui faisait le décryptage de tout le monde. Et j'entends souvent comment les gens viennent dire que
Oh, Bob lui parlait mal. Celui qui ne veut pas qu'on parle de lui dans les réseaux sociaux n'ouvre pas de page. Moi, il avait présenté mes enfants non dans les réseaux sociaux. Non. Parce que je protège mes enfants. Parce que je n'aimerais pas un jour que les gens s'attaquent à mes enfants. Je les cache même tellement qu'ils n'apparaissent nulle part dans les réseaux sociaux. Vous arrivez à vos enfants, vous mettez vos enfants dans les réseaux sociaux. Quand le bombardement arrive, vous dites que les gens sont mauvais. On est mauvais dans quoi? On est mauvais dans quoi? Parlons peu, parlons bien. Vous reprochez Bob Lee quoi? Qu'est-ce que vous reprochez à Bob Lee? Parlons peu, parlons bien. Vous le reprochez quoi? Est-ce que les blogueuses ivoiriennes ne sont pas des vendeuses de piment? Est-ce que les blogueuses ivoiriennes ne sont pas des bordels? Est-ce que c'est faux? C'est vrai. Est-ce que les blogueuses camerounaises ne sont pas des bordels? C'est vrai. Elles ont même fait la bordellerie chez moi. Vous parlez de quoi? Vous le projetez à Bob Lee? C'est vous qui affichez vos enfants dans les réseaux sociaux. Quand vous bombardez vos enfants, vous commencez à chialer partout. Vous commencez à chialer partout. Quand on ne veut pas, on veut s'appeler, quand on veut avoir une vie privée, tu viens dans les réseaux sociaux comme ma mère quand même vient une place. Une place. On ne tourne pas à côté. Continue à partager les lives. Continue à partager les lives. Il y aura le nombre de partages où on est là. Attendez. On n'est même pas encore. On n'est même pas encore atteint le nombre. Continue à partager là. Vous parlez de quoi? Vous êtes toujours là pour ouvrir vos narines. Oh, Bob Lee est mauvais. Oh, Bob Lee est mauvais. Bob Lee peut être mauvais plus que vous tous. Bob Lee peut être mauvais plus que vous tous. Vous parlez même de quoi? On commence par Makoso. Bob Lee peut être plus mauvais que Makoso. Sérieusement, Makoso est le vendre des sérums de mariage, des sérums de ceci. Il y a qui est riche dans sa famille? Quand quelqu'un voit les sérums de réussite, qui est riche dans la famille de Makoso? Il faut me dire. Est-ce qu'il y a un milliardaire dans la famille de Makoso? Mais c'est lui qui vend les sérums de richesse. C'est lui qui vend les sérums de bonheur. C'est lui qui vend l'huile de mariage. C'est lui qui vend tout lui là. Parlons peu, parlons, mais on dit ce de quoi? Vous voulez dire que Bob était mauvais dans quoi? Makoso, c'est son business. Son business, c'est le spirit. Son business, c'est le spirit. Mais alors? Vous êtes là, vous êtes en train de parler que Bob était mauvais. Bob est plus mauvais que vous. Bob est plus mauvais, plus sorcier que vous. Les sorciers, c'est vous. Parce que quand vous dénoncez, vous commencez à dire que oh, les gens sont mauvais. Oh, les gens sont mauvais. Les gens sont mauvais. Quand vous venez publier vos enfants dans les réseaux sociaux, on vous demande souvent. On vous demande souvent. Ce n'est pas vous qui prenez vos enfants pour venir mettre dans les réseaux sociaux pour montrer comment vous allez réussir vos vies, non. Et quand vous découvrez le poteau rose, ça devient que les gens sont mauvais. Ça devient que les gens sont mauvais. Les gens sont mauvais dans quoi? Bob lui dit que les influenceuses africaines vendent le piment, ce sont les bordels à Dubaï. Le petit patron a chopé les filles africaines à Dubaï, c'était quoi? Et malheureusement, vous a déjà montré ce qu'elle fait dans la vie. Parlons peu, parlons bien. Maintenant, on enlève le bruit. Et malheureusement, vous a déjà montré ce qu'elle fait dans la vie un jour. Makoso qui parle là, il vous a déjà montré ce qu'il fait dans la vie. Parlons peu, parlons bien. Emmanuel Keïta, elle vous a déjà montré ce qu'elle fait dans la vie. Parlons peu, parlons bien. Abouchou, elle vous a déjà montré ce qu'il fait dans la vie. Non. Ils vont prendre tout ce que tout le monde fait. On fait quoi? Oh, on va ouvrir, on est dans les produits de beauté. On est dans les produits à 2600 lettres. Que les crèmes là donnent que l'argent. Que les crèmes là donnent que l'argent. Quand Bob dit que la plupart des blogueurs ivoiriens sont pauvres, on voit le comportement. Regardez ce que le roi 12 a fait d'eux. Regardez ce que le roi 12 a fait d'eux. Des os. Quand le roi 12 arrive, tu vois là, Poutou qui se dort pas, qui dort par terre. Oh, le roi 12-12. Oh, le roi 12-12. Oh, le roi 12-12. Quand Bob lui vous reproche ça, vous dites à Bob lui qu'il est mauvais. Bob est mauvais dans quoi? Bob est mauvais dans quoi? Moi, mes actions parlent d'elles-mêmes. Moi, ça m'est quand même petit maudit. Moi, ça m'est quand même. Bloquez-moi le gars là. Bloquez-moi Star, ma chaîne truc là. Attendez, je le bloque directement moi-même. Voilà.
Vous parlez de quoi? Vous êtes là tous les jours à crier que oh, Bob est mauvais, Bob est mauvais. Bob lui-même était vérité. Vous ne voulez pas la vérité que Bob est allé de vous dire. La vérité que Bob avait dit, c'est que la 90% des influenceurs africains, ce sont des vauriens. Des vauriens. Manque d'ambition, manque de perspectivité, manque de tout. Quand vous regardez leur contenu, l'abrutissement total. On voit des pères comme celui-là, si c'est le père de Daloa. Un père comme ça, à son âge, en train de nager dans une piscine à l'aéroport. À son âge, en train de nager dans une piscine à l'aéroport. On parle de quoi? Et quand vous racontez ça, vous commencez à dire oh, Bob est mauvais, Bob est... Un père de 75, de 90, 80 ans, en train de nager pour demander à chacun un enfant. C'est ça vos influenceurs? C'est ça la fille aujourd'hui? Et vous vous étonnez que les blancs ne viennent pas vous arracher vos terres, pourquoi? Mais les blancs vont vous mettre à location, tu vois, cette allure. Les blancs vont vous mettre à location à cette allure. Les gens, Bobli est mauvais. On prend le cas de Makoso. Parlons bien de Makoso. C'est quelqu'un que je respecte dans son histoire d'escroquerie. Quelqu'un qui dit qu'il vend l'huile de mariage. Makoso vend l'huile de mariage. Sa propre soeur, 5 enfants, 6 pères. 5 enfants, 6 pères. Mais il vend l'huile de mariage. Les gens ne sont pas mariés dans sa propre famille, mais il vend l'huile de mariage. Vous trouvez ça normal? Mais arrêtez d'abrutir les gens. Arrêtez d'abrutir les vos followers. Vous parlez de quoi? On vient me raconter que, oh oui, ils ont 7000 personnes. Mais 7000 cons, mais j'en ai rien à cirer les 7000 cons. Quand j'ai Amel Kamé, c'est 30 états bien, 30 états sur pied. Il dit 30 états sur pied. C'est pas on a dit, oh non. Je suis sur le terrain. C'est ça qu'on appelle un influenceur. C'est ça qu'on appelle un leader. On voit Poudjou. On lui refuse la carte de séjour. Ce match chialé partout. Oh, la carte de séjour. Oh, je suis calé. Il faut qu'on me donne ma carte. Parce qu'il a compris que. Moi, me comparer avec des gars qui n'ont pas le cerveau comme la Poudjou. Parce qu'il mange entre vous, bête. Entre vous, bête, dans votre bête-ocologie là. Vous me comparer moi-même, comme avec vous. Que ça pense comme c'est ce que Bob lui vous disait matin, midi, soir. Bob lui était en train de vous dire ça matin, midi, soir. Bob lui vous disait arrêtez la bêtise. Arrêtez d'être bête. Quand il regarde Poudjou, ça veut dire que c'est le symbole de la bêtocologie en Côte d'Ivoire, ça Poudjou. On voit un jeune comme ça là. Allez mentir. Moi-même, Kamel, aucun ministre au Cameroun ne peut dire que moi-même, Kamel, là, il est venu chez moi demander l'argent. Aucun homme d'affaires au Cameroun, je m'a fierté. Aucun homme d'affaires ou bien aucun politique ne peut dire que moi j'ai donné l'argent à Mekam. Aucun. Parce qu'à Mekam, c'est ça. Business plan dans la tête, projet dans la tête, la force dans les bras. C'est ça qu'on appelle un gars puissant. C'est ça qu'on appelle un gars fort. Vous parlez de quoi? Une bande d'abruti. Une bande de vaurien. Bob, vous me coincez, vous commencez à chialer partout. Oh Bobli. Des sorciers. Attendez, je vais inverser la caméra. Des sorciers. Ils vont venir. Je vais vous montrer, attendez. J'enlève même ça là. Des sorciers. Quand Bobli vous parle, vous ne voulez pas entendre. Je vais vous montrer ce que les Ivoiriens, ce que les blogueurs Ivoiriens ne savent pas faire. Attendez, voilà. Tandis j'enlève le truc. Voilà. C'est ça là que les blogueurs ivoiriens ne savent pas faire. Regardez, ça là, vous ne savez pas faire ça. Et pourtant que nous les Africains, nous avons besoin de ça. Voilà ce que nous avons besoin. C'est ça là, ça mère quand même. Ce n'est pas que ça mère quand même. Le voilà, le boss. C'est ça qu'on appelle influenceur. C'est ça qu'on appelle blogueur. C'est ça qu'on appelle donner ligne de conduite à vos followers. Voilà. Ils viennent parler. C'est ça qu'on appelle le gars est fort. Bande de petits sorciers. À vous pavaner comme si vous avez l'argent. À dormir, à voler les métros aussi en France. Bande de sorciers. Quand Bob vous parle, vous commencez à dire qu'il est mauvais. Il est mauvais dans quoi? C'est ça que vous ne voulez pas faire. Voilà ce que l'Afrique a besoin. Que d'aller manger là-bas pour avoir le blé. C'est ça là que vous ne voulez pas faire. Vous parlez de quoi? Ah, venez me comparer aux petits morveux. Aux petits morveux. Ah, venez me comparer moi à Mère Kamé. Moi à Mère Kamé, venez me comparer. Vous le comparez quoi?
Hein? Ça, c'est un garçon à l'œuvre. Voilà ce qu'on appelle un gars à l'œuvre. C'est ce qu'on appelle un blogueur. C'est-à-dire, il est là. Bon, matin, midi, soir, on bataille. C'est ça qu'on a besoin. On a besoin de ça là. Voilà. On a besoin de ça là. Voilà, c'est là où on nous attend. Voilà les différents défis que l'Afrique a besoin. Vous amenez vos poissons là-bas. Vous amenez vos poissons. On voit des paires d'enfants en train de nager à l'aéroport. On voit des paires d'enfants en train de nager à l'aéroport. Quand Bob lui vient vous parler, vous commencez à dire quoi? Quand Bob lui vient vous parler, vous commencez à dire quoi? Oh, il est mauvais. Il est mauvais dans quoi? Il est mauvais dans quoi? On voit les jeunes. Un jeune comme Aboutchou. Un jeune comme Aboutchou. Sa spécialité, c'est la mendicité. Demander l'argent. Demander l'argent. Oh, roi 12-12. Oh, roi 12-12. Salamale. Quand tu avais quelqu'un comme un roi 12-12, tu viens avec ton business plan en main. Tu dis non, tu n'es pas venu mendier. Parce que le roi 12-12 doit te respecter en tant que ce que tu es. Vous parlez à âme, même s'il a l'argent, il va te garder le respect. C'est-à-dire que vous êtes comme ce qu'on appelle. Vous êtes comme les colis que les marabouts lancent par terre là. Vous êtes comme les colis que les marabouts lancent par terre. Les marabouts restent comme ça. Attends. Pas les petits colis là, non. Les petits colis que les marabouts font comme ça là. Ils lancent par terre. C'est comme ça que vous êtes au-dessus des droits 12 jours. Vous êtes souvent là, vous êtes mal comme ça, illisiblement. Venez à 10 millions, venez ça, c'est mangeant. Venez à débarrasser-moi, débarrassez-moi. Là, c'est moi-même, quand vous me parlez comme ça. Tu commences comment pour moi-même, quand même. Tu peux me parler comme les nyama-nyama là. Tu commences comment? Quand on va vous parler, vous allez dire que les gens sont mauvais. Ils sont mauvais où? Ils sont mauvais où? Oh, Bob là avait tort. Bob là, il a tort dans quoi? C'est cette vérité qui vous dit que vous ne voulez pas. Quand il a commencé à dire que les blogueurs ivoiriens étaient en train de se prostituer à Dubaï, vous n'avez pas insulté Bob Lee? Vous n'avez pas insulté Bob Lee? Quand Bob Lee disait que les blogueurs ivoiriens vendaient le piment à Dubaï, se prostituaient à Dubaï, vous étiez les premiers à dire qu'il ment. Quand les vidéos ont commencé à sortir de Dubaï là-bas, on disait encore qu'il ment. On disait encore qu'il ment. Soyez même 2000. Faites des lives où vous êtes même 100 000. On ne vous gère pas. On ne vous gère pas. C'est ce qu'on a dit de vous dire qui est la vérité. Il est parlé aujourd'hui. Vous arrivez aujourd'hui. Oh, Bob était mauvais, il était mauvais dans quoi? Vous prenez vos enfants, vous venez parler vos enfants dans les réseaux sociaux. Chacun décrypte à sa façon. Chacun décrypte à sa façon. Vous parlez de quoi? On voit les gens qui disent oh non, Bob il se moquait des gens. Il vous avait dit, il dit toujours. Tant que vous n'êtes pas dans le droit chemin, il vous allume. Qu'est-ce qui est mauvais dedans? Donnez-moi le nom d'un blogueur ivoirien qui habite chez lui. Tous les blogueurs ivoiriens sont en sous-location ici à Paris. Tous. Tous les blogueurs ivoiriens, allez vous lancer, tous les blogueurs ivoiriens sont en sous-location à Paris. Vous parlez de quoi? C'est pas comme le corps parle. Dis-moi le nom d'un blogueur qui n'est pas en sous-location. Et aucun n'habite Paris. Quand il dit même Paris, même, je vous avantage même. Quand il dit même Paris, je vous avantage même. Aucun blogueur ivoirien n'habite Paris. Ils habitent tous les derrière Paris. C'est-à-dire genre zone 9, zone 8. C'est-à-dire qu'à 70 km de Paris, c'est là-bas où ils habitent. C'est là-bas où ils habitent. Quand tu les vois à Paris, ceux qui ont là, aucun ne travaille même. Ils sont là, château rouge, château d'eau. Château rouge, château d'eau. En train de descroquer les vieilles femmes. En train de dire que oh, tu ne connais pas comment je suis blogueur. En train de... Vous allez avoir le travail un jour. Vous allez avoir un blogueur aller travailler. Vous parlez seulement pour parler. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Mbangle le petit sorcier. On vous parle, vous commencez à dire que oh, le gars était mauvais. Le gars était mauvais. Il était mauvais dans quoi? Il était mauvais dans quoi? Jaloux va. Il était mauvais dans quoi? Ça en est de parler toujours. Et tu habites loin de Paris. Quand tu entends quelqu'un te dire qu'il habite à Paris, c'est le 77. 77. Si tu les vois à Paris, c'est qu'ils sont en sous-location. En sous-location. Partagez le live. On maximise encore les partages. Attends, je vais te bloquer. Maman, ne vous inquiétez pas, j'ai les blocages accélérés.
Tous ceux qui sont contre ce que je dis là, vous bloquez directement. Voilà. Comme ça, il va aller prendre notre compte pour venir. On leur dit qu'aller travailler. Même les livraisons, ils ne veulent pas faire. Ils sont en France ici. Ils se promènent chez les gens. La spécialité des blogueurs ivoiriens, c'est de faire les lives chez les gens. La spécialité des blogueurs ivoiriens, c'est de faire les lives chez les gens. Oh, je travaille. Montre la fiche de paye, il n'a pas. Parce que heureusement qu'il y a la monétisation maintenant. On compte sur, on les a payés, l'autre jour. C'est le jour où tu prends les pères qui commencent à faire les selfies. Ils vous montrent comment ils maîtrisent Paris. Ils vous montrent comment ils ont réussi leur vie à Paris. Des mendiants. Des mendiants. Après, ils vont venir parler. Vous allez parler de quoi? Vous pouvez nous parler. Moi, mais quand même, blogueur, vous pouvez me parler. Il n'y a pas que les blogueurs ivoiriens dedans. Il y a les Camerounais, les Congolais aussi. Hein. C'est parce que je m'attarde seulement sur les Ivoiriens parce que Bob l'a beaucoup tapé sur les Ivoiriens. Vendre les produits cosmétiques, est-ce que ça passe même? La plupart des blogueuses ivoiriennes se cachent derrière la vente des produits cosmétiques pour vendre le piment, pour se prostituer. Elles se cachent derrière les produits cosmétiques pour se prostituer. Elles vendent quoi? Elles vendent quoi? Regardez les blogueuses ivoiriennes, la même perruque qu'elles faisaient la promotion. 3 mois plus tard, elles portaient la même perruque, elles vendent quoi? Mais c'est les premiers à se mettre dans les réseaux sociaux. Oui, non, vendre ceci. Vous vendez quoi? Vous vendez quoi? Demandez-leur de vous demander même le bilan financier d'une année. Vous allez voir que ce n'est que des prostituées. On parle de quoi? Vous parlez de quoi? Parlons sérieusement. Arrêtez de salir le nom de Bob Lee. Vous salissez son nom pourquoi? Quand vous venez présenter vos enfants, il ne vous a jamais demandé de présenter vos enfants. Bob Lee n'a jamais demandé à quelqu'un de présenter ses enfants. C'est vous qui venez présenter vos enfants. Ah oui, c'est vous. C'est vous qui venez présenter vos enfants. Vous pensez que quoi? On a vu le cas avec Marco. On a vu comment Bob a tapé sur Makoso. Makoso n'a compris ce qui n'allait pas. On a compris comment Bob a fouetté sur Makoso. Mais le faisceau. Même Makoso a encore les séquelles de Bob jusqu'aujourd'hui. Makoso a encore les séquelles de Bob jusqu'aujourd'hui. Voilà. Ce n'est pas une question de que les Ivoiriens vont sortir sur moi. Si ce que je dis est faux, que les Ivoiriens sortent pour dire que amen, amen, ce que tu dis est faux. Demandez à Boutou de présenter sa fiche de paye. Il n'a pas. Demandez-lui de montrer la création de contenu de artiste, ça ne produit rien, il n'a rien là-bas. Arrêtez. Il y a une jeunesse africaine qui nous suit. Donnons le bon exemple à cette jeunesse africaine-là. Donnons des lignes de conduite. Vous êtes là les blogueurs. Ben, pourquoi vous ne montrez pas aux gens comment on fait les vidéos? Expliquez aux gens comment on fait le contenu des vidéos. Comment on fait des vidéos par rapport. Expliquez aux gens comment on fait les vidéos. Qu'est-ce que les vidéos rapportent dans les réseaux sociaux par rapport. C'est tout. Ça vous coûte quoi? Il faut me dire. Parlons, nous ne sommes pas là pour abrutir les gens. Vous dites aux gens que les réseaux sociaux payent. Mais montrez aux gens comment les réseaux sociaux payent. Montrez aux gens comment les réseaux sociaux payent. Tout simplement. Mais vous voulez seulement que l'argent la garde. Vous gardez l'argent là. Vous voulez seulement garder l'argent là seul. Montrez aux gens comment les réseaux sociaux payent. C'est simple. Simple comme bonjour. Attendez 2 secondes. Non, on n'est pas là. C'est-à-dire que le problème aujourd'hui, c'est que arrêtez de vous plaindre quand les gens vous tombent dessus. Arrêtez de vous plaindre quand les gens vous tombent dessus. Vous n'allez pas dire que quelqu'un est mauvais parce qu'il sort vos vérités. Dire la vérité, ce n'est pas être mauvais. Bob Lee vous disait cette vérité-là et c'est cette vérité-là qui vous énervait. Parce que votre mensonge avait assez duré. La force de Bob Lee, c'était quoi? C'était la vraie vérité. Est-ce qu'il partait chez Chulon? Il décryptait seulement vos lives.
Il se met là, il décrypte ton propre live, il te bombarde avec ton propre live. Bob, il te tabasse avec ce qui sortait de ta propre bouche. Si tu ne parlais pas, il n'était jamais sur toi. Si tu ne parles pas, il n'est pas sur toi. Mais si tu parles, quand Bob lui dit que non, les Camerounaises vangeux sont les bordels, mais est-ce que c'est faux? Est-ce que les Camerounaises ne sont pas les bordels? Quand il dit que les Ivoiriens sont des bordels, mais est-ce que c'est faux? Est-ce que les Ivoiriens ne sont pas des bordels? Mais il dit la vérité. Donc vous allez attaquer quelqu'un, vous allez culpabiliser quelqu'un parce que la personne vous dit la vérité. Parce que la personne vous dit, bloquez-moi Doty. Attendez, je bloque encore Doty. Voilà. Voilà. Toute personne, si vous voulez avoir des mauvais commentaires, allez ailleurs. Il vous tape sa vérité. Ici, là, je bloque tout ce qui traîne à quelqu'un, un mauvais commentaire qui ne va pas avec une autre ligne. Vous bloquez directement. Donc voilà, on ne va pas rester là tout simplement parce que certaines femmes vont arriver nous donner leur façon de penser. On va dire, on adhère en quoi? On n'adhère pas du tout. Rassemblement de l'hypocrisie. Aujourd'hui, vous allez faire quoi? Normalement, on doit interdire même aux blogueurs de cotiser. On n'a même pas besoin de cotiser votre argent. Gardez votre maudit argent. Gardez votre maudit argent. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Mais il est toujours job Joe Porter. On n'a pas besoin de votre maudit argent. C'est ça que vous comptez pour payer le cercueil. Gardez votre sale argent. Non, est-ce que je mets les organes? Je ne mets pas les organes, je vous dis la vérité. La vérité n'a pas besoin d'organes. La vérité n'a pas besoin d'organes. Je suis désolé pour vous. Je suis désolé pour vous. Ne restez pas là que vous restez là en faisant croire aux gens que non, ils sont Y. Non. La carte, on est là. Ça va se jouer au sol. Et ça va se jouer sur terre. On ne rigole pas. En attendant, je travaille sur TikTok. Je vais vous toucher. Je ne suis qu'au début. Je ne suis qu'au début. 3 fois par semaine à votre show. C'est ce que je vous promets. Et c'est la dose là qu'il va vous donner. À plus tard.